Alors, tu as quitté la résidence de Kayu Yabu, le Hatamoto, chez qui tu as pu rencontrer Togashi Hiro, le moine tatoué. Suite au repas, aux quelques pics qui avaient été balancés à Togashi Hiro, t'es pas resté après le repas et tu as croisé donc Togashi Hiro, le moine tatoué qui déambulait visiblement, il avait l'air d'être un peu perdu. Et tu lui avais proposé de le raccompagner jusqu'au monastère où il est hébergé. Alors toi, tu connais un tout petit peu le chemin entre la demeure de Kayu Yabu et le monastère, puisque même si toi tu n'y es arrivé il n'y a pas très très longtemps non plus, t'as repéré un petit peu. En fait, Togashi Hiro, pendant les quelques premiers mètres, il te dit que le moine qui l'héberge, Mukanshin, lui avait indiqué un chemin, de prendre plusieurs rues, et il se rend bien compte que en fait, Mukanshin, soit il est très mauvais en orientation, c'est très certainement ça d'ailleurs, puisque le chemin qu'il lui avait indiqué, il l'avait amené en face de la maison de Kayuyabu, mais de l'autre côté du canal, et il ne lui avait indiqué aucun passage avec un pont lui permettant d'aller sur les petits îlots des résidences samouraïs. Et donc, il te remercie de le raccompagner jusque là-bas. Alors, la nuit est tombée, il fait encore relativement bon. Ce soir, vous croisez encore quelques personnes dans les rues, mais l'activité de la journée a quasiment disparu. Et tu sais que t'en as pour 5 bonnes minutes de marche pour l'accompagner jusque là-bas. Mais puis-je vous proposer peut-être que nous allions boire un verre Alors, ensemble? si c'est boire un thé, pourquoi pas. En revanche, si vous aviez l'intention d'aller boire quelque chose de plus corsé, je déclinerai Mais l'invitation. un thé, c'est très bien. Écoutez, je vous suis. Visiblement, vous avez l'air de connaître un peu plus que moi Je ne connais pas encore très bien cette ville et j'avoue que son système de petits îlots par lesquels on accède sur les canaux est un peu assez déroutant aussi. Mais non, mais venez, nous allons boire un petit thé ensemble. Au moins, nous passerons peut-être une fin de soirée un peu plus agréable que la façon dont elle a commencé. Ah, il réplique pas à ce que tu viens de lui dire, mais du coin de l'œil, tu vois qu'il acquiesce un petit peu en fait à ce que tu as dit. Il a l'air d'être encore un petit peu contrarié par tout ce qui vient de se passer, même si voilà, ça a l'air son tempérament fait que calme, fait que visiblement le plus gros de la soirée est passé. Et donc tous les deux, bah, vous déambulez, tu te diriges vers quelle, remarque, tu diriges vers Bah, quelle je auberge? retourne vers l'auberge du moine souriant où j'ai été bien accueillie un peu D'accord. plus tôt et que je sais bien repérer facilement, je suis sûre de ne pas trop m'égarer. Très bien. Bah, écoute, tu t'en prends la direction. Et le Togashiro te dit, écoute, je tiens à vous remercier. J'avoue que je ne comprends pas Value. ce qui m'a valu exactement, ce qui m'a valu ce tout ce les réflexions dont j'ai été victime ce soir. J'ai cru comprendre que comme vous êtes nouveau aussi ici. J'ai comme l'impression que vous n'avez aucune réelle acquaintance avec le Hatamoto ou les deux diplomates qui étaient présents. Non, non, je les rencontre pour la première fois ce soir et je vous avoue que j'ai passé le plus clair de mon enfance dans des écoles du clan du crabe et que je ne suis pas très coutumier de ces soirées
et de ces repas, disons, de courtoisie. Et je n'ai pas trop l'habitude de ces façons de parler ou de régler ses comptes avec les gens. Mais bon, je vais m'y faire. Bon, vous arrivez, hein, vous n'étiez pas très très loin de l'auberge du bol du moine souriant. Vous vous y installez, vous êtes accueilli par l'aubergiste que tu as déjà rencontré une fois ou deux. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui t'avait même permis de recruter la servante, Chiyo. Vous installez. Il y a encore quelques personnes dans l'auberge, mais c'est pas non plus aussi bondé que plutôt dans la journée. Et après quelques minutes, vous êtes avec Togashi Hiro. Voilà, je commande du thé et quelques gâteaux, quelques douceurs pour finir la soirée. D'accord, très bien. Et donc, vous êtes tous les deux installés là. Ils vous ont mis dans un coin un tout petit peu à l'écart de la grande salle pour être un peu plus tranquille. Visiblement, c'est ce qu'ils ont l'air de faire avec toute personne qui ressemble un tant soit peu à un samouraï. Et Hiro, en fait, commence à te poser quelques questions sur d'où tu viens, qui tu es. Visiblement, il a vu un peu ton témoin, même s'il n'en avait pas forcément fait la remarque avant. Mais là, il te dit que c'est quand même assez étonnant, un bushi du clan de la grue, portant un symbole d'une école du clan du crabe, à ce qu'il lui semble. Il s'excuse pour son... il a des lacunes très certainement en héraldique, mais il lui semble bien que c'est le mon d'un dojo du clan du crabe qu'il a vu sur ton kimono. Moi, je lui explique un peu brièvement ma famille, mes parents, mon école... Et puis aussi le pourquoi de ma venue ici, que je reprends la maison de ma tante et je découvre un petit peu cette cité et peut-être une fonction, une place pour moi ici, qui sait, les Camille voilà, peut-être pas envoyés ici par hasard. Et donc je lui retourne la question, savoir un petit peu précisément où se trouve son monastère, s'il est... moine depuis longtemps, ce qu'il y a appris, ce qu'il y a conduit, voilà. Ah, tout simplement, mon ordre, le monastère d'où je viens est très très loin, voilà, et vraiment aux frontières du nord de l'Empire. Alors, je suis moine depuis que je suis tout petit. Il est vrai que l'ordre de moine auquel j'appartiens n'est pas très très répandu. Il est très rare que nous quittions nos monastères. Maintenant, ça fait à la demande de mon daimyo, moi comme d'autres membres d'autres moines, nous avons été sommés de quitter le monastère et d'aller dans certaines cours présenter, montrer nos talents. Cela fait déjà 5 ans que mon ordre envoie quelqu'un, chaque année, un moine différent, à Takaoka, lors de la fête de Isetsuban, pour y faire une démonstration. Et, excusez-moi de vous couper, les moines précédents qui se sont rendus ici, vous ont-ils rapporté cette attitude que vous avez pu constater ce soir ? Non. Non, non, ils n'ont rien rapporté. La venue de moines de mon ordre est aussi pour un petit peu faire naître des liens diplomatiques entre mon clan, surtout mon clan, pas vraiment ma famille et mon ordre, mais surtout mon clan, avec des cours plus ou moins importantes et éparpillées dans tout l'Empire. Non, je n'ai pas. Mes prédécesseurs ne m'ont jamais rien dit. Mais il est vrai que malgré que 4 moines sont déjà venus ici,
Cela n'a jamais changé, visiblement, la diplomatie entre les deux clans. Ça n'a jamais eu d'effet, de ce que j'ai cru comprendre. Et cette année, j'ai été chargé, moi, de venir ici parce que les années précédentes, les moines qui ont été envoyés faisaient toujours preuve de talents très particuliers, très spectaculaires. Que ce soit un moine capable de courir à une vitesse assez hors du commun, un moine capable de cracher du feu, ce genre de choses. Et vu le peu de réactivité au niveau de la diplomatie, il a été jugé que peut-être qu'un moine avec des talents comme les miens pour l'Ikebana, envoyé lors de la fête du Setsuban, une fête liée à la. Lié justement à tout ce qui est végétal, mes supérieurs ont jugé que ça pourrait être peut-être probablement le déclencheur de quelque chose, enfin. Donc, vu que c'est un petit peu voilà, c'est pour faire un double. Mais est-ce que vos supérieurs attendent quelque chose de diplomatique de précis Alors, le fait est que les moines envoyés pour faire une démonstration, c'est un privilège. C'est un privilège pour la cour qui reçoit. Peu nombreuses sont les cours qui ont notre visite, qui peuvent assister à nos démonstrations. Sachant que chaque année, ici à Takaoka, les moines qui sont venus faire une démonstration font une démonstration en public. Donc devant, pas seulement devant le daimyo, mais aussi devant Les la habitants. population. Voilà. Donc c'est vraiment un honneur particulier. Donc nous espérons, sur mon daimyo et moi, espérons que cette année, la démonstration que je vais faire devant Présenter. tout le monde va enfin déclencher quelque chose. Ce qui D'accord. fait que je ne. Maintenant, avec ce qui s'est passé ce soir, je ne sais pas. Est-ce que mes prédécesseurs ont reçu le même accueil? Ce qui pourrait expliquer le fait que, voilà, ça n'est même malgré leur démonstration, il n'y ait pas eu de suite. J'en sais rien. Est-ce que je ne comprends pas ce que peuvent avoir le Hatamoto et ses deux diplomates contre des membres de mon clan, de mon ordre, je n'en sais rien. Mais bon, de toute façon, vu que la fête a lieu demain et que ma démonstration aura lieu demain en fin d'après-midi lors du. Comment dire? Lors du. On pourrait dire du bouquet final de la fête. Je pense que je suppose que vous y serez, Oui, vous y j'y assisterez. assisterai évidemment. Mais après, je ne peux que vous conseiller de faire part à vos supérieurs. Mon père, qui est daimyo d'un petit clan, Kakita Benkei, serait, je suppose, très très honoré de la venue d'un représentant de votre monastère et vous ferait vraiment un accueil beaucoup plus chaleureux que celui que vous avez reçu ce soir. Sachez Écoutez. que il sera peut-être enclin à répondre favorablement, il sera peut-être intéressé par certaines propositions diplomatiques de votre clan. J'en ferai part à mes supérieurs, et pourquoi pas le. Je peux vous adresser, si vous voulez, un courrier vous expliquant précisément. Enfin, écoutez, vu que je resterai quelques jours, très certainement après la démonstration. Je pense que nous aurons l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Et bon, entre-temps, vous avez quand même mangé, vous avez quand même bu le petit thé qui vous a été présenté, un thé très fruité. Visiblement une production locale, hein, puisque Takaoka est réputé pour ses fruits et tout ça. Et finalement, Togashi se lève, s'incline respectueusement
face à toi et elle. Bah je me lève et je m'incline aussi et je lui dis, je vais vous raccompagner jusqu'au temple. Je n'osais pas vous le demander. Merci. Bon, vous finissez par quitter l'établissement. Tu as payé quelques pièces. Et J'ai remercié l'aubergiste qui se révèle vraiment très compréhensif et efficace. donc vous longez quelques canaux, prenez quelques ruelles jusqu'à arriver aux abords du monastère, enfin, du temple où il est hébergé. Moi, je prends quelques instants pour regarder un peu, observer voilà, l'architecture, l'ambiance. Ça doit être quand même assez particulier. La nuit doit être bien avancée, donc Surtout je suppose qu'il y a peut-être. dans le quartier où ça se trouve, c'est le quartier des temples. En fait, il y a plusieurs temples différents. Il y a le temple des fruits verts, le temple des kami, enfin, c'est plus une succession d'hôtels pour différents kami. Et tu as aussi un temple lié à la fortune de la pluie et la fortune de la nourriture. C'est vraiment ça les temples les principaux. Après, pour les autres kami qui sont représentés aussi, c'est plus petit. C'est vraiment tout ce qui tourne autour c'est ça, des fruits, de nourriture et autres qui sont. Du coup, Donc c'est très calme le quartier. je lui souhaite une bonne nuit et à bientôt. Et je le remercie pour cette soirée agréable. Kakita Kaemon-san, c'est moi qui vous remercie et voilà, vous savez où me trouver. De toute façon, demain je serai je ferai ma démonstration devant tout le monde. Je vous remercie et passez une bonne nuit et que les Camis veillent sur vous. Merci et n'hésitez pas en cas de besoin entre exilés, nous pouvons nous entraider mutuellement. Bien, il rentre dans le monastère. Donc le quartier des temples, c'est vraiment un quartier très calme. La nuit, il n'y a vraiment personne, il n'y a quasiment pas un bruit. Bah, je prends le temps de voilà de déambuler un petit peu, il doit y avoir sûrement des odeurs, des petites lumières, ça doit être une ambiance assez particulière. Et puis je réfléchis, je crois que j'étais pas venue encore faire d'offrande particulière en arrivant. Non. J'avais pas. Voilà. Du coup, je réfléchis un petit peu en passant le long des différents temples aux différents kami, réfléchir à. Voilà, une offrande à quelque chose que je puisse faire pour indiquer ma présence et dire que je viens ici en paix et trouver ma place et que ma tante étant partie, l'équilibre, tu vois, du village doit D'accord. se modifier et que je veux bien, que je souhaite bien être un élément de ce lieu et trouver, voilà, trouver ma place dans cet ensemble-là. Alors pour l'instant, les temples, les hôtels pour prier, ça va être fermé. Oui, mais en fait, Mais je après, déambule oui. pour réfléchir, je Voilà. regarde de loin pour identifier les différents D'accord. kami. Après, au niveau Voilà. des odeurs, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a énormément d'odeurs puisque dans la journée, en fait, les gens ont décoré énormément toutes les rues de la ville. Donc il y a beaucoup d'odeurs de fleurs. En plus, là, pas loin, il y a le quartier du bois. Où c'est pareil, il y a beaucoup de sculptures, tout comme ça, donc il y a aussi une forte odeur De de bois sûre, des coupé, cendres de de sûre, tout comme bois, ça. de sève. Donc, D'accord. et ensuite, une Donc fois que tu oui, as fait s'il y a ça. un kami particulier je sais pas s'il y a le kami de la bonne fortune ou Il y a des camis de pas mal de choses. Après, visiblement, ça a l'air d'être. Ce qui a l'air d'être le plus important à Takaoka, c'est la fortune de le temple de Kura au Kami no Kami, donc la pluie et la nourriture. Ça a l'air d'être le temple principal. Donc c'est Mais peut-être du un. coup, est-ce que moi je peux, enfin je sais pas, Oui, après bah oui. Non, spirituellement, t'as voilà, ça. tout à fait le droit. D'accord. Y a pas de Kami Oui. en particulier attitré.
En gros, les kami, c'est un kami pour chaque aspect de la vie. Donc, ça fait, tu peux très, avant de partir au combat, tu as pris un kami plus guerrier. Mais à un autre moment, tu as pris un kami. Ça peut être pris le kami de la fertilité pour avoir une descendance. Voilà, c'est Donc là, ce chaque serait moment a plus son. prier pour le kami de la du fruit mûr, de la prospérité, de la pluie, de la nourriture pour trouver. Oui, ça a vraiment l'air d'être Voilà, le temple d'accord. principal et le représentatif de. Oui, mais moi, si je souhaite comment faire partie et avoir les bonnes grâces de ce kami-là ici, à Takaoka, c'est plutôt vers celui-là que je me tourne. D'accord, ok. D'accord. Ok. Et ensuite, moi, je suppose que Ben, tu. je repars tranquillement vers mes pénates tout en réfléchissant à une offrande, à quelque chose voilà, de cohérent par rapport à ce kami. D'accord. Très bien, bon, tu retournes chez toi. Lorsque tu arrives, il y a Tiku qui s'était assoupi, mais qui était resté quand même dans la pièce principale, qui se réveille en sursaut et qui vient tout de suite voir si tu as besoin de quelque chose avant pour ce soir. Non, ça ira. Shio était rentrée, tu t'étais mis d'accord avec elle avait une maison, elle rentrait tous les soirs, elle rentrait chez elle. Je lui dis, referme bien. Tu peux fermer porte, D'accord. portail, etc. Bien, maître. Et tu vois, il part, il va faire le tour, il va verrouiller là. Et je te souhaite une bonne nuit. À demain. Très bien. La nuit se passe tout à fait tranquillement. Le lendemain matin, je suppose que comme tout bon samouraï, comme tout bon bushi, tu ne te lèves pas trop tard et tu vas commencer à faire la journée par quelques katas d'entraînement. Je demande à Tiku d'aller chercher pour une offrande un panier de fruits, de fleurs, peut-être une sculpture de bois. Voilà, j'ai différents éléments pour constituer une offrande au kami de la pluie, de la nourriture de la D'accord. ville. Et puis qu'il fasse le nécessaire pour la maison, rien de particulier. Et le matin, je leur indique juste que donc c'est cet après-midi qu'aura lieu Alors, la démonstration. en fin d'après-midi, ce sera la démonstration. Toute l'après-midi, il y a vraiment une fête dans la ville. C'est là, à ce moment-là où il y a pas mal de. Il va y avoir quelques cortèges, des cortèges de fleurs. Il va y avoir de la musique. Il y a aussi des artistes de rue. Il va très certainement y avoir aussi, ça, des démonstrations de tambours, taiko, de musique, des trucs comme ça. Par contre, le matin, c'est surtout dédié un peu à une espèce de. Alors, il y a certaines personnes, il y a beaucoup, surtout les paysans, qui eux ont plutôt tendance à aller faire des offrandes au niveau de leur culture, dans les champs. Ça, c'est plutôt le matin. Faire quelques offrandes. En fait, le matin, c'est plus, on va dire, c'est plus une fête au sein de la famille. Et c'est vraiment Ah oui, l'après-midi c'est sur le public. ça va D'accord. vraiment être tout le monde qui se rassemble. Le matin, c'est plus dans le cadre privé. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de gens, les paysans, eux, ont tendance à aller faire des offrandes dans leurs champs, ou aller, ne serait-ce que dans les petits villages. Souvent, ils vont faire la fête entre eux, voilà, avant que ça déborde à Et ça tout le dure village. jusqu'au soir? Ça dure jusqu'au soir, même jusque tard dans la nuit, D'accord. Alors dans ce cas-là, de bonne heure le matin, une fois que je les réunis tous les deux, Tiku et Shio, et je leur dis que je les laisse libres pour la journée, pour qu'ils profitent de cette fête, que Shio peut se rendre où elle le souhaite parmi les siens pour cette fête. D'accord, bah, elle te remercie, elle est un peu étonnée. Et que je les laisse également prendre voilà, leur disposition jusque ce soir, que je saurai me débrouiller seule. Voilà, ils ont sûrement veillé à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture, d'eau pour quelques jours à venir. Et que je leur demande juste d'être présents demain matin.
frais, de bonne humeur et de bonheur, comme d'habitude. D'accord, très bien. Le Montiku est un peu décontenancé, mais depuis le temps, il a appris que tu lui donnes un ordre, bon, c'est pas la peine de trop insister. Bon, Tiku, il me connaît, il sait aussi que j'aime bien quand même m'amuser, que j'aime bien que tout le monde s'amuse. J'ai quand même hérité ça du côté école de crabe, école de guerrier qui profite de la vie quand même. Ouais. Donc, ça l'étonne, mais pas tant que ça, quoi. D'accord. Il a une espèce de faux air un peu consterné de « mes maîtres, je vais faire quoi ?» Et finalement, voilà, c'est, mine de rien, tu sens que ça va. Tu vas faire connaissance avec les jeunes gens et les jeunes filles de la ville. Mon brave petit coup. Donc voilà, il n'insiste pas. Du coup, tu fais quoi, toi, pour la matinée? Je fais mes entraînements, mes katas. Alors du coup, il n'aura pas eu le temps d'acheter, du coup, je vais... Ça se fait pas pour un samouraï d'aller acheter lui-même on était parti du principe que normalement, dans L5A, ça se fait pas. Mais ça se fait pas d'acheter des trucs, ça se fait pas de le faire soi-même. Il faut toujours passer par un domestique, mais... Je fais les quelques emplettes pour les offrandes. En plus, on va dire que quand même, je choisis des choses pour les offrandes en mon nom, donc je préfère les choisir moi-même. D'accord. Donc je passe, je pense, une petite heure d'échoppe en échoppe à chercher ce que je te décrivais un peu plus tôt. Fruits, fleurs, une sculpture de bois, des choses qui représentent un peu les valeurs et les spécificités de la ville. D'accord. Et puis je me rends au temple du Camille, de la pluie et de la nourriture. D'accord. Alors, avant d'aller au temple, vu que tu cherches de quoi faire des offrandes et tout ça... en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même, il y a pas mal de monde, il y a moins de monde dans les rues de la ville, et tu as pu voir plusieurs délégations partir, principalement des émines, mais tu as pu voir aussi quelques gardes qui en faisaient partie, des délégations qui sortaient en fait de la ville et qui se dirigeaient vers toutes les rizières, les vergers qu'il y a tout autour de Takaoka, puisque au nord il y a ce qu'on appelle la plaine aux fruits dorés, d'immenses vergers, et donc voilà, il y a pas mal de monde qui quitte la ville comme ça et qui visiblement porte par petites délégations des espèces de palanquins avec plein de nourriture, de ce que tu identifies comme certainement des offrandes, et qui sont en train de sortir, de quitter la ville. Voilà, t'as pu voir même si t'as pu entendre parler un petit peu de ça, c'est que il y aurait à l'extérieur de la ville, il y a plein de petits hôtels dédiés un peu partout sur les routes et dans les vergers aux alentours. Il y a plein de petits hôtels liés à certains kami. Donc tu penses que voilà, ils sont tous partis chercher. Je trouve peut-être sûrement moins de marchands qu'à l'accoutumée aussi, qui vendent des choses. Bah, oui, en fait, le problème, c'est ça. C'est que là, il va y avoir... tout le monde, en fait, est plus ou moins occupé par ça, plutôt que de vendre. Après, tu sais qu'à l'extérieur, de la cité, tu pourras certainement trouver... Bon, après, je me contente de ce que je trouve. Hein. Mmh. C'est pas... D'accord. Eh bien, écoute, alors que tu cherches ça... Tu déambules un petit peu dans les quartiers qui sont un peu le quartier des saveurs et le quartier des subtilités. C'est vraiment les quartiers où il y a le plus de marchands, mais c'est un petit peu délaissé. Tu croises quelques personnes, mais sans plus, jusqu'à ce que à un moment tu entends des bruits de pas derrière toi, quelqu'un arriver en courant, qui passe juste à côté de toi et qui se jette au sol devant toi. Tu t'identifies tout de suite un paysan. Il s'est vraiment prosterné devant toi, le front au sol. Et de ce que tu entends, de ce qu'il te dit, il a l'air d'être un peu paniqué. Et il te dit Samouraï-sama, une samouraï est prise à partie par plusieurs personnes dans la ruelle là-bas.
tu vois qu'il a toujours le front baissé, donc Conduis-moi.